Panya pinya manja konda chetubarundi mana. Manga pinya manja konda chetufinundi mana ya yo. Mawali ndumbas yende bayetingi bajuka. Ajok yende bajuk kabanchi kiba kata, kabanchi kiba yent, akawupat, akawupatafal. Aja kakal mika jukun tari, papu joku pelentin ya manjaku. Pujuk pupicha manjaku, pujuk pulair manjaku. Eh bien, chers apprenants et apprenantes, nous voici de retour aujourd'hui pour continuer notre apprentissage de la langue manjaku. Apprendre à lire et à écrire la langue manjaku. Parmi vous, il y a bien sûr des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, il y a des personnes adultes ou d'un certain âge. Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer la leçon précédente, la leçon 5. Et donc, aujourd'hui, nous la nommons leçon 6, mais d'abord, nous allons d'abord finir la leçon précédente. Mais avant d'en finir, je reviens sur quelques deux éléments de précision sur la leçon passée. Gwiti bujuk ba parling, bujuk ba binyanati. Kwen bujukwi, ti ting nat natu. Awara bing bade bing tari, jak yelampu mob ti bujuk, kabane ti bujuk ba pajantun. Ma tini ngur ko kabane ti bujuk ba pajantun. Akang kong tabu ging angi pija, japu kaki ufet, jak jipanangul ti kwen bujukwi wal umparung. Ti bujuk binyanati. Ti upitu kanyaka wije wetul irim impibani koyeng jokwe walum parong ya kanji achi nya nanji nul rim jion na lonchit nanji kanu kanji kam oja kam ji. Eh bien, quand nous avons le mot quand dit, il est composé de deux mots, quand et dit. Dit, c'est rire, et quand dit, c'est celui qui a ri. Ce n'est pas celui parmi d'autres qui aurait ri, mais il est spécifiquement le seul ou la seule personne à avoir ri. C'est pourquoi on l'appelle quand dit. Anguim prempu pi banani pi kanjapi njeng angija njeng njeng gwetul mch anguim mch achiting ta mch mch ti ungongte dans la nasalisation nous avons mch et nous avons mch ça c'est mch ça c'est mch. Njeng, c'est les œufs. Donne-moi tout. Il y a qu'à parler que, kanka, kanka. A t'y crin que tant. Ka, a peu type ka. Ka, c'est lui, donc, nyanamut, kanka. Donc, nous avons les deux mots, ka et ka. Ka, c'est le fait d'avoir, avoir, ça vient du verbe. Peka, qui veut dire avoir, obtenir, mais surtout avoir. Kanka, c'est la fois dernière, j'avais dit l'ayant, mais en fait, c'est l'ayant eu. Pas seulement l'ayant, mais l'ayant eu. On peut dire l'ayant pour s'arrêter là-bas, mais précisément, c'est l'ayant, la personne ayant eu. C'est pourquoi on dit l'ayant eu. Voilà. Ce sont ces deux précisions que je veux apporter avant de pouvoir continuer avec les autres lettres de l'alphabet. Tion koing ali pijenten, yakaru parar gpich ngenduka gonk tebu pich manjaku. Papu pivantel ungongunter. Gijati ngongontani. Te ungongunter. Yakri yakatop tebu pich bikanjabi. P. P. Ma jakaru ko ka banji pe ma fiar jaka
penambrom konche kete ko yon picha nwen mba jaka ruwite jaka jondi pe de route jaka tuam nge pech nge nukwa gong. Bah, donc ce que je viens de dire, nous allons continuer et par la lettre P, la lettre P, mais avant de pouvoir commencer avec la lettre P, nous allons effacer, pour avoir de la place, effacer ceci et revenir pour commencer tout en haut avec la lettre P, donc P. Merci. Yon pinjapi, jaka mobti gepich nga nduka gong. Wopiban ungongunter. To jundi prim oti ba metu prim ti ungongunter tinati. Gechiti, ti upichwi kanjawi P. Eh bien, avec la lettre P, nous allons avoir certains mots de nasalisation où le mot commence par une nasalisation où la nasalisation se trouve à l'intérieur du mot ou vers ou à la fin du mot. Nous avons ici avec P, avant d'arriver à la nasalisation, nous allons donner quelques exemples. Tini, yakutu prim pungongunt. Jaka jot ti prim pi, pi kan jaka pi. Pardon. Kape. Walim kong. Prim pi, kape. Kape. Tionwe. Kape. Achi nyanan kamani. Anu. Nous tchons na pe. Voilà. A kaman, a nous loupion. Donc, na ya a kakape. Eh bien, kape, en français, c'est quelqu'un qui a combattu et il a le dessus. Quand il a le dessus, c'est-à-dire, il a la victoire. Donc, le mot kape veut dire la victoire en mandjako. Kape. Mais, c'est aussi un superlatif, c'est-à-dire, ça peut être en bien ou en mal. Kape kakid. Kape ou lemp. Il y a déjà deux choses différentes. Kape kakid, c'est le plus grand voleur. Il a le dessus en matière de vol. Ou bien il a le dessus en matière de travail. Oh, ou kam. Kape, c'est ou kam. Donc tu as le dessus dans le combat. Amka kape. Ok. Le contraire, c'est capella. Capella, c'est la défaite. Ok, donc on a capé. Maintenant, celui qui a la victoire va s'appeler campé. Voyons. Campé. C'est-à-dire. C'est le plus grand, cette matière, Kampé ou Kam. Le plus grand combattant. Ok, Kampé ou Kam. Kampé, oh Kampé, Kampé Boutoup. Kampé ou Passe-Moutoup. Là, ça c'est dans le mauvais sens. Mais toujours, c'est lui qui a le dessus en matière. Donc, Kampé. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas écrire, on ne doit pas écrire comme ça. C'est pas kampé, c'est pas kam, c'est kampé. Voilà, a bof ti koe kenjakawi, di ka bof on a pu ya pe, a ti undo pe, koutou me. Et bien, donc pour dire, la personne qui a la victoire, ça s'appelle kampé. Et ne pas l'écrire comme celui qui est en dessous, c'est pas kampé pour dire kampé, pour dire que devant la lettre P, il faut un M. Mais non, ça c'est pas du français. La langue, cette langue s'appelle mandjaku. C'est kampé, kampé. Ok? On crée. Outing pontul. Mandjati. A type la kaprim, on va aller m'yog kapé, c'est la victoire. Kapela, ça c'est. Kapela, on va te dire kapela. Bon, je. M'kamen,
La capelle me bande, la défaite. Bon, tu as la défaite. Tu n'as pas la victoire. Tu as capelle. Mandjak ou Dieu. Capelle, bofot ni blad. Tu as combattu. Tu as eu la défaite. Mais du courage. Ça ne veut pas dire que tu es poltron, que tu n'es pas lâche. Tu n'es pas poltron, tu n'es pas un lâche. Tu es un combattant, même si tu as eu la défaite. Voilà. Donc, capella, bofot ni blan. Littéralement, la défaite n'a rien à voir avec la peur. C'est celui qui a combattu. Quand on combat, on peut ou avoir la victoire ou avoir la défaite. Ou c'est le nul. Voilà, je vous dis, ils se sont départagés. Et la personne qui a eu la défaite, Kampela. 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 Et c'est pas Kampela. C'est Kampela. Bien. Ensuite, nous allons à la lettre suivante. De que par ou pitch ou nekiwi. R. Ou pitch ou kaya R. Donc la prochaine lettre, c'est R ou R. Et pour avoir une nasalisation, avec ce son, cette lettre, je prends un exemple qui vient d'un certain dialecte de la langue mandjakou. Pour un prim, puisque tu dis plus aussi entendre, hein, tu dis plus aussi entendre, écrit, vous dire. M'rankel, tu pendiamt, pas tu petit manjaku, que ya ou tchour. On te dit, ou tchour. Ça, c'est, on te dit, pendiamt ou tchour. M'rankel, c'est-à-dire, en français, rouge au pluriel. M'rankel. D'autres dialectes diront m'djankel. Ils vont dire m'djankel. Ok. Mais pour l'exemple qui nous concerne, c'est le tchour qui est approprié. M'rankel. M'rankel ou m'rankel, c'est des choses qui sont rouges. Bien, on a mr, mr, mr. Nasalisation. Ngongnt. Ngongntani. Mrankel. Mr. Tu es mrankel. Tu es mrankel. Tu es mr. Mrankel. Mrankel. Daka puntul. Daka tupti. Oui. Au pituikanjakawi, ce. La lettre suivante, c'est la lettre S, d'où le son ce. Et nous prenons un exemple. Au pibanani, on montre, kadia primpi. M'sent. M'sent. Donc nous avons le mot m'sent qui vient d'un dialecte de la langue mandjakou. C'est pas tous les dialectes, mais un dialecte parmi les dialectes mandjakou. Prépi apne tiplop ndiamt tiplent mandjakou. Tit ndiamt bling tik ndjakou kadjam kaumprim m'sent. Awe tu m'sent, tu
plainte te prendi à mettre pour mon tour m'sente à ti des bananes en langue mandjakou se disent m'sente et le dialecte c'est Apuniti pundiamu tupika njaka pitui manjaku ulund. Ulund, msent, sele banan. Paso chimja mnana, punana, mnana, mtu uchitu manjaku. Achiprimputo, jeje punga bandu chiki njaku. Manjaku, purimbuku, kaja msent. Okay? Bingu, bingu wimbo nkuba. Di mangu oja mangu chetu prim manjaku kaja mfalara gwimba pul ti bujuku ban parbo ti anga bandu ti msent ati quoi français que j'ai les bananes et bien avec cet exemple msent c'est un mot de la langue manjaku notamment du dialecte ulund pour dire banane au pluriel les bananes Vous pouvez même écrire ici les bananes. Parce que avec le M ici montre le pluriel. Donc ça veut dire les bananes. Si, pour être plus précis. Plus précis, on va mettre les. Les bananes. Et là, c'est pas un nom. Brinkel, c'est un mot seulement. Ok. Bien. Après, d'accord. Ti wikambiwi kati te ma penambro ma fa ma fa u pichanani jaka wite jaka win te donc nous allons aller à la lettre T mais pour cela pour ne pas trop aller plus bas nous allons effacer et commencer avec te voilà donc jaka mobti ou pitu ken jaka wi te ati te le moto jaka piban krim ke pibanani ngongunte et bien nous allons à la lettre T et là nous allons donner quelques mots qui sont des exemples pour la nasalisation qui va avec te ou T nous avons le mot nta Nta, bon, on n'a pas les images pour montrer ces fruits, nta, mais c'est des fruits hein, qui s'appellent mandjaku, nta, je ne sais pas comment l'appeler en français. Donc, nta, ati mkomikandemi. Bien, nta, okamikandjakami. Ntaba. Ntaba, hein, c'est aussi des fruits, ntaba. Mt, donc tu as dit, mt, mt. D'accord, mt, mt, ntaba, mta. Ok, d'accord, pour toi, d'accord, parer, t. T. Kija kantuar. Kantuar. Kantuar, c'est l'étant assis. L'étant assis, ou la personne étant assise. Donc, l'étant assis, kantuar. Ok. C'est l'étang assis. L'étang l'étang assis. Il y a aussi kantuar.
Ça veut dire le 7 ans mis. Le 7 ans mis ou le 7 ans placé. Mis ou placé. Quand tu as à tout, à tout, à tout. Vous voyez ici tout. Là. Et là, c'est toi. Là, c'est toi même. Toi et toi sont très proches au niveau prononciation, mais c'est différent. Quand toi, nation, il s'est proclamé lui-même roi ou président, si vous voulez. Quand toi, tu te bagnes à tout le monde, nous le toi, nation. Ce n'est pas des gens qui l'ont placé, roi qui l'ont mis, roi qui l'ont choisi, roi, mais il s'est mis lui-même à cette place-là. Hein? Donc, c'est un usurpateur. OK, comme on dit, un usurpateur, si vous voulez, en français. Mais le français est un peu compliqué. Bon, maintenant, le s'est mis. Hein? Il s'est mis. Voilà. Donc, tu as quand toi. Quand toi, toi. Tour, tour. C'est pourquoi il y a le dialecte qu'on appelle outur va bien parce que le T en outur, c'est la lettre H. Dès que vous voyez le T, on l'a déjà vu. Le T là. Donc, en le remplaçant par H, Kahor. Ils vont dire Kahor. Kahor, c'est l'étant assis. Kahor, en outur encore, c'est plus clair. Kahor et Kahor, c'est différent. Donc, c'est cela. Surtout, ce qui nous concerne, c'est nt. Nt. Le nt, il est là. Bien sûr, voilà. Bien, et on continue. Après, c'est d'accaparer ou pitu cambia, ça, c'est la prochaine lettre. C'est le son W, la lettre W, ou en français W. Bien. Et quand elle, quand. Well, quand well, mais d'autres dialectes ne disent pas quand well, parce que ils ne vont pas prononcer le N, ils vont dire quand well, Oumani, quand well. Bon, à ne pas confondre avec quand well, nul, quand well. Il va acheter. Ne pas confondre avec Kawel. Kawel. Mais c'est Kawel. Et pour les dialectes qui ne disent pas Kawel, ils vont dire Kawel. Kawel. Donc, là, Oulung, ils vont dire Kawel. Et c'est là où c'est, ben, tu es Mandiakou, mais Mandiakou de Ploun. Parce qu'il reste en continuant avec le mot complet. C'est ça le mot complet. C'est pas ici. Kawel. C'est quand. C'est pas ka. Mais là, on comprend ceci. Ça semble lourd pour eux. C'est Pundiamut ou Loun. Voilà beaucoup de gens. Kawel. Balant tu l'un ça, vous kangal pour Rafa ni pour moi, vous kangal pour dia, vous courez comme Kawel. Mais bah tu te tu pour l'un, tu pour la plante manjaku l'un, peut-être nous Kawel. Tu en prends pour chaque l'homme qui pas dire te vie, hein? On y a mort tu pour vous dire pas nous. Oh Kawap, tu dis Kawap. Kawel, c'est l'ayant acheté. Kawap, l'ayant vendu. Ici, c'est l'ayant vendu. Et c'est la même
le même procédé. Tine, kawap, tun nul nulrin wap, kawap. Mais voilà que kawap, kawap. Kawap ou kawap? Un an que l'on connaît. Kawap. Balance un bouquin de kap. N'évitez pas le wou. Quel. Mais ça, c'est, on appelle ça l'oralité. En fait, quand tu dis quel, il a dit kawel. Ça, le mot complet. Kap. Tu vois, kap, on dirait que c'est 40 A. Là-dedans, maintenant, kawap. On dit kap. On n'y a qu'un d'euro. C'est pour une diamante. Mais au pitcher, que pitcher, pour une bipa baye biblique. Donc, il y a qu'un d'euro. Il y a créé, il y a qu'un point de wè, à rouka, n'y a pitcher de tab. Il y a qu'un yati yè. Yè. Yè de mentouré. Il y a qu'un win. Quand yè. Quand yè. Quand il y a. Oui, quand il y a. Quand il y a. Quand il y a. Ballon. Bon. Oui. Wallen twink. Wou. A buffering le pitching in the wing. Voyez au bandit tout le rec. Ne décater. Quand il y a. Quand il y a bré. Quand il y a plan. Quand il y a bloc, quand il y a bébé ballon, quand il y a bloc, quand il y a bloc, quand il y a kaja, quand il y a kaja, mais quand il y a un, tu en prends pour le bling, mais pas tchik. Quand il y a. Que peut-on, quand il y a kayotte, kayotte, quand yacht, il y a quand yacht, c'est-à-dire l'isolé, l'étang isolé. Il s'est isolé, il est resté tout seul. Quand yacht, l'étang isolé, il s'est isolé. Donc, on dit quand yacht, nous le yacht, hein, yacht, yacht, c'est s'isoler. Le verbe yacht, s'isoler. Un petit gagnant, on a tué ton tué le corps. On dit à toi, non, quand tu es là, la personne s'étant isolée. À ne pas confondre, bon, certains vont dire ici, à cause de ce yé, ils ne vont pas dire quand yot, ils vont dire kayot. Kayot. Hein? Mais on va aller dire kayot. On a le petit ougnate. Pourquoi dire kayot? Kayot. Kayot. A couple of prime to manjaku, we can jump in. Kayot. 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 Attention. Kayot. Achi, le pied. Le pied, caillotte. Caillotte, c'est le pied. On le comprend. Caillotte, c'est pour dire caillotte. Ou l'onde qui dit caillotte, c'est le mot complet. Les autres, quand ils enlèvent le ne, maintenant, ils vont jouer sur l'intonation. Ou allez, pas de penanouk ne, tu ou n'y a qu'un de l'okul, ou que tu ou s'intender, tu que mène à ne jak ja kayot, ne jak kayot. Kayot, ati nya, yotu. Kayot, ati kayot. Douti a petit. Petit impi. A kayot ou kon. Ou ali koutou ki pad. Koutou ne pad tout, te kayot, te yot. Ne koutou pad de petit, koutou na te yot. Ok? Bien créé, ou pitch ou toi, à Thierry, je,
Je. Utinja kan jongat ma pichanul a ci prepa nyat fi anja ka zo nat kan jongat uti da les ma ci tim lom lent kinjaku jeudi ba non ka yat au titre de l'on tourne quand ton net quand ton net tu n'y as le yem ton yem ton en bande en bim ton net en français on dit lot mais lot c'est à dire qui est reçu la personne reçue pas lot qui est la personne ayant reçu. Quand ton at, c'est lot reçu. Je vais l'écrire et c'est le dernier mot pour dire ici en français, c'est lot reçu. Lot reçu, pardon. C'est dit. Lot reçu. C'est ça ce mot-là. Lot reçu. Quand tu en as, d'autres disent quand j'en as. Je, quand j'en as. Ok? Comme dans le dialecte, vous allez à Kalekus, Bo, Timat, tout ça. Hein? Quand j'en as. Yo, c'est là, nous avons fini toutes les lettres qui restaient au niveau de l'alphabet. Quand là, nasalisation ou à la pré-nasalisation. Nga bati nga pitch ganti ngiti bu pitch man jakku tu lek o ngongunter te rim tu joti prim o bani prim ak irim kay o ngongunter voilà jaka natanti tu bu jokk bu tari bu jokk bu pajant da kay 8e jaka jokk ko kan jakko ite plainte France diphtongue ou digraphe. Eh bien, donc, nous allons mettre fin à la leçon de ce jour, qui est la 6e leçon. Et nous avons fait le tour des lettres de l'alphabet mandjakou et des lettres qui ont en elles des mots de nasalisation ou de pré-nasalisation. Donc, de ce fait, à la leçon prochaine, nous verrons les diphtongues ou, comme on les appelle aussi, les digraphes. Je vous dirai le nom en mandjakou. Donc, soyez encore nombreux pour la prochaine fois. Et merci. Donc, de Tambandari, de Kake Tchoumi Kutchoumi, et de Kautopoufin Nya, de Pichanka Timoul, de Gokne. Aussi nous, hein, la cloche, n'oubliez pas hein, de cliquer la cloche, donc de Gekusinu, ou de Kombandui, de Teoul, de Teusinu Menton, Manda Pichakatumil. Donc inscrivez-vous, abonnez-vous, et nous vous remercions. C'est donc votre serviteur, Père Nassadiou Prelevi, en compagnie de notre cher technicien, Karona Baya. Donc, on a dit le baran, on a dit le mac, on a dit commandé, puis il y a l'imp, le parané ou le tout internet, le winwell, le winbujuk, le mortibujuk, tu en as chintinja, le carona baya, alors que tu es 8 ans, tu es le bâti, baran. Merci, à la prochaine, Dieu voulant. Ciao. Ochanga varonde mane, bate minja karom tifana. Ochanga varundi mane mabukinja karom ti